C'est fait, nous sommes bien au rendez-vous, un peu comme vous, hein, qui nous regardez à la maison, qui nous regardez à travers votre téléphone portable, qui nous regardez à travers votre ordinateur. Bien des choses à vous et merci d'être toujours là, fidèle, en place, toujours prêt à nous faire des « Waouh, j'aime vous voir ». En tout cas, nous aussi, on aime être là. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, c'est comment ? On est là. Alors, à vous qui nous regardez, sachez que chaque fois que vous essayerez de rester normal, vous ne saurez jamais à quel point vous pouvez être quelqu'un d'extraordinaire. Il est important parfois de sortir de sa zone de confort, de se découvrir et surtout de s'assumer. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici. On est là. On est là. Il n'est pas en place ce soir, en tout cas, je pense qu'il n'est même pas à l'heure. Tu veux me dire quelque chose ? C'est Cabrel, il n'est pas là, Cabrel. Qu'est-ce qui se passe, d'après vous ? Je pense qu'il va arriver comme... Comme vous. Une entrée spectaculaire, peut-être comme Stanley à son spectacle. Voilà. D'accord, peut-être. Hein? Bonsoir, Joe. Salut. Il a fallu de peu pour qu'on ne te voie. Hein? Oui, non. Tu m'as en fait, un c'est peu que. Transporté. Non, pendant que tu parlais, il y a quelqu'un qui m'a dit exactement la même chose il y a 5 minutes. Ah oui ? Oui. Ah non, c'est que important. Sortir c'est, vrai. Sa zone de confort, c'est important de sortir de sa zone de confort pour savoir exactement qui on est. Qui on est. Okay. Important de sortir de sa zone de confort. On peut découvrir des choses extraordinaires ou des choses parfois déplaisantes, mais il faut s'attendre en fait à découvrir quelque chose de. Qui réveille, en fait, le préalable, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est important. Et de prendre des risques. Sortez de temps en temps de votre zone de confort. Prenez des risques. Il y a certains qui disent, si tu veux avoir ce que tu n'as pas, il faut pouvoir faire ce que tu n'as pas encore fait. Voilà. C'est à peu près la même chose. C'est ça, c'est clair. DJ To est en place ce soir. DJ avec le contenu. Thème de ce soir, vous savez qu'on est à la veille de la fête des amoureux, de ceux qui sont ensemble. Ah, le thème est assez coquin. Mais bon, je pense que c'est un problème que rencontrent la plupart des conjoints ou des conjointes. Alors, comment gérer la relation quand on a un ou une conjoint ou conjointe insatiable sur le plan sexuel? On ose ce soir, donc pas la relation. Comme c'est le thème de ce soir, si vous avez l'habitude de regarder avec les enfants, hein, les moins de... Bah écoutez, de toutes les façons, aujourd'hui, les enfants... bon, voilà. Donc si jamais, hein, vous ne voulez pas qu'on en parle devant eux, ben, c'est l'occasion hein, de les mettre déjà de l'autre côté. Oui, voilà. C'est là, c'est l'heure d'aller qu'ils aillent étudier un tout petit peu hein, oui, leur vous leçon. Vous pouvez vous le goûter, c'est l'heure du voilà, goûter. Voilà, c'est l'heure du goûter, qu'ils aillent de l'autre mais côté. Mais ça, ça voilà. Sur le plan sexuel, ça implique quoi c'est, ça implique qu'il n'est il est pas... Non, il ça, pas, c'est, ça implique en fait qu'on arrête déjà une moyenne. Il en veut toujours plus. Ah, voilà. Toujours, et toi, tu es là. Like... Ou elle en veut toujours plus et elle en veut toujours plus. Et d'accord. Lui, bon c'est fini. On va dire. Ok, d'accord. Mais en plus, en qualité ou en quantité? Les deux. Les deux. Ok. Parce que si tu fais vraiment la qualité, peut-être que la quantité, on s'en foutra un peu. D'accord. Peut-être pas. Yeah, ça dépend. Après, si c'est une maladie. Bon, non, la maladie, c'est autre chose. Il y a des gens insatiables, mais c'est pas maladie. Il y a pas de maladie. Mais après, ça peut être un désir. Un désir. Voilà. J'espère qu'on se comprend quand on dit qualité et quantité. Bien sûr. Oui, bien sûr. Okay. Quantité, c'est pas le nombre. Oui, le nombre de jours, le nombre de mois. Et qualité, c'est peut-être que, je sais pas, on veut que tu fasses le grand écart, le mawashigiri et tout ça. C'est ça. Oui, c'est ce qu'il appelle qualité. Donc, des choses qui sont dans tous les cas, c'est pas parce qu'on n'est pas chaque fois satisfait qu'on est malade. On est malade, c'est clair. Ça dépend de la personne avec qui tu es aussi. Hein. Voilà. Donc, il y a certains qui sont malades, ça peut arriver. Qui doivent consulter, mais d'autres pas aussi. Donc voilà. Ouais. Mais la question est très simple. Hein. Comment on gère comment on la gère relation la... dans ce cas? Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas compris. Mais qu'est-ce qu'il a? C'est là, pas c'est possible. C'est quoi, c'est un problème de qualité ou de quantité? Tu t'es, mais là, on ne sait plus. Là. C'est les deux à la fois, ma foi. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe, Cabrel? Cabrel, j'avais annoncé ton arrivée. J'ai dit que tu arriverais comme ça, boum. Ben, et là, boum, le boum, là, il est assez fort. C'est le hein. Jour de mon anniversaire, le 17. J'ai confondu la date. J'ai pas compris. Non, nous sommes le 13. Tu pensais qu'on était le 17? Je suis né le 17 février. Oui. Mes comptes Facebook ont disparu. Le jour qu'on remettait mes comptes, le gars a modifié, il a mis la date ici. Donc certaines personnes m'ont appelé pour me souhaiter joyeux anniversaire. Il n'y a pas de problème. Mon anniversaire n'est que tout le mois de février. C'est vrai qu'on dit que ceux qui sont nés en février,
se comporte ou un chat, parce que même le moins est aussi bizarre. Oui, oui. Et si que nous sommes nombreux, bonsoir, les stars. Bonsoir Cabrel. Bonsoir. on va devoir continuer parce qu'on était dans le contenu et on parlait du thème de ce soir, comment gérer la relation quand on a une conjointe ou un conjoint insatiable sur le plan sexuel. On va en parler tout à l'heure, donc il est insatiable, voilà. Ouais. Insatiable. Mais insatiable, mais du coup. Il n'est pas satisfait. Vous non, il n'est jamais satisfait. Il en redemande à chaque fois. Il en redemande, il veut toujours il plus. Elle. Il ou elle, hein. Donc ça va. On va en parler tout à l'heure, c'est pas le moment. Pour l'instant, on va retrouver l'actu. Voilà, on va ouvrir l'actu avec aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Radio. Oh là là, ça me fait penser à tellement de choses. Vous ne pouvez pas savoir. Souvenirs. Comme ce premier jour où je fais des cours pour de la radio. De la radio. Et Joe était parmi. Ah, les cours, ok, oui. Ah, ouais. Oui, c'était bien, 2006. Hein. Oh, c'était cool. Journée de la radio. Et ça me rappelle également mon premier jour de radio. J'étais au lycée de New Bell. Par téléphone, j'ai fait un papier sur le lycée. Ouais. As-tu encore une idée de ce que c'était? Ah, ça commençait pas bien. Hein. Ça commençait pas bien. Ça commençait par le décès d'une élève. Hein. Oh. Oups. Mais bon, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, oui. Un fait réel. Oui, bien sûr. Oui. Le journal, on a ouvert avec. Donc, plein de choses, bien des choses à toutes ces personnes hein, qui œuvrent jour et nuit pour apporter du meilleur à la radio. La radio qui, pour certains, tend à disparaître, mais elle renaît sur d'autres formes où le visuel prend de plus en plus de la place et c'est tant mieux. Dans tous les cas, on est de tout cœur avec... avec toutes ces personnes-là, les auditeurs qui continuent à écouter la radio. Car la radio, dans tous les cas, on ne pourra pas la remplacer. Hein. C'est pas possible. C'est clair. Et puis, Blik Bassi, il fait son 1958 tour, il faut faire dire. Parce que bon, on a le UK tour de 2020, mais on a en fait toutes ces dates hein, sur l'Europe. Là, qui peut... ça va s'afficher. Voilà, bon, chacun va choisir sa date. Hein. C'est tout petit pour moi, mais chacun peut choisir sa date. Tu as choisi ta date, Tani? J'avoue que j'aimerais bien, mais ma myopie. C'est ta myopie que j'aime. Dans tous les cas, Blik Bassi, donc voilà le programme de sa longue tournée. Hein. Je pense que le mois de mai sera un mois très riche pour lui. Voilà, donc on est de tout cœur avec lui. Et puis, on a Sous la route du Massa 2020, c'est lancé avec un plateau le 20 février, donc c'est dans quelques jours en fait. À l'IFC de Douala avec Senge qui va représenter le Cameroun. Ce sera au Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Donc, vous avez compris, c'est en Côte d'Ivoire. Elle va donner un spectacle qu'elle va chercher à vendre parce que c'est un marché. Ouais. Et ici, elle va d'abord nous le proposer pour avoir notre bénédiction afin de partir. Ah oui, interesting. Hein. Et puis le nouveau EP Ekoum. Ah, je l'ai pas. Je vais vous le montrer quand même parce que voilà, je l'ai encore dans ma. Il est tout new, hein. Vraiment, sincèrement, Pani. Je pense que tu vas aimer. Hein. C'est la vidéo qu'on a reçue, oui. Non, c'est pas vraiment la vidéo. Je pense que oui, la vidéo aussi, si vous l'avez. C'est un morceau de... Mais j'aimerais d'abord le montrer. On vient juste de... Voilà, vous voyez bien pour les 30 ans de carrière musicale. Ils ont donc ce maxi de 3 titres. Cameroun pour tous, c'est le titre de tout ce maxi single. 3 titres donc, Cameroun... Nabila, on est vraiment... c'est touchant quand même de faire des choses comme ça. On ne l'attendait pas toujours là, on pensait qu'elle allait faire comme d'habitude. Et puis, pap, elle nous sort quelque chose comme ça. C'est bien, on aime bien ça. Nabila, là. Ah oui, hein. Ça rigole pas. Hein. Je rappelle mon agent, toi, ma micro. Dans quelques minutes, on devrait recevoir notre invité. Mais avant, on va retrouver la course des chevaux avec le PMUC. Salut Christelle. Joyce, bonsoir à toutes les teams de STC. Et voilà, on est de retour sur ce plateau. Et vous le savez, on s'était arrêté à l'accueil de notre invité. Mais avant, je vous rappelle le thème parce que vous pouvez aller sur notre page et poster votre avis avant que Dexter nous retrouve. Comment gérer la relation quand on a
un conjoint ou une conjointe insatiable sur le plan sexuel. Vous allez, vous comprenez très bien pourquoi on a choisi le thème. C'est une question qui revient très souvent, mais qu'on n'ose pas poser à haute voix. Hein. Je pense que nous, on va aider pas mal de couples ce soir, hein, à notre manière. Joe, c'est le moment d'accueillir notre invité. Oui, on va recevoir notre invité, mais après le jingle. Après. Et voilà. Mais quand j'ai les belles filles en face, j'ai toujours la frousse. Alors, ah bon, on va recevoir. Oui, oui, toujours. Heureusement que le texte est écrit par quelqu'un d'autre qui, lui, n'a pas la frousse. Il est où le texte? Imprimé dans son cerveau. Voici le texte. On reçoit notre producteur. On reçoit notre invité avec le concours de notre auteur Colin Souanchon qui est financé par le producteur. Et Fosso Joseph Fosso, son nom de producteur, qui à son tour a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatu, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. Elle est marraine de la National 20, c'est la hiérarchie suprême. Mais comment elle s'appelle? National 20 qui se prépare. Bonsoir. Bonsoir madame. Ah là, c'est écrit. Alors, on reçoit Miss Cameroun France 2019. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça implique? C'est-à-dire, quand on est Miss Cameroun France 2019, ça veut dire que tu as été élue en 2019, ça veut dire que ça a été réalisé en France, que tu es certainement établi là-bas et que tu es originaire du Cameroun parce que ton père est Badjoué et ta maman est Bassa. C'est le Cameroun qui gagne, non? Et puis, naturellement, tu es Miss. Quand on est Miss, on est jeune, on est belle, on a les yeux revolver, on a le sourire avenant, on a une silhouette de rêve. On est Miss, quoi, hein? Et c'est le cas pour toi. Alors, tu es une émeraude précieuse, c'est pour ça que tu t'appelles Pierre? Non, tu es une pierre précieuse, c'est pour ça que tu t'appelles émeraude Nadia Abédier. Et tu n'es pas que la jolie personne, tu n'es pas qu'une carrosserie, tu n'es pas un tonneau complètement vide parce que tu es également étudiante en expertise et contrôle à l'Institut supérieur de Paris. Voilà, de commerce de Paris, l'Institut supérieur de commerce de Paris. Une école que j'aurais aimé faire, mais ah bon, je n'en ai pas l'intelligence. Voilà. Donc, comme toutes les Miss, tu es belle, tu es jeune, tu es dynamique et surtout, tu as un mandat. Et durant ton mandat, tu as deux choses à faire. La première chose, c'est trouver le moyen de d'épouser Dexter. Et là, je t'ai parlé de Dexter. Brenda, non, hein. Ouais. Non, mais ça compte aussi. Je t'ai parlé de Dexter. Mais l'autre, justement, un de tes leitmotifs, c'est Education First. Oui, donc l'éducation first sur le long terme, c'est justement pour toi de trouver le moyen d'impacter de façon durable sur l'éducation en général en Afrique et principalement au Cameroun. Et sur le court terme, justement, c'est de poser des actions concrètes. Par exemple, yes, tu étais à Dibam, m'a-t-on dit, et là-bas, tu as offert des livres, une mini-bibliothèque. C'est génial. Finalement, ce n'est pas Dexter que tu dois épouser, c'est Junior au sein. Parce que lui, là, la lecture, je contribue. Ah, oui. Et puis, tu étais aussi à Ezeka, normalement, m'a-t-on dit, et là-bas, tu as offert des sanitaires. Hein, ça, c'est des choses sur le terrain. À des écoles, c'est ça? À des écoles, oui, toujours. Puisque c'est l'éducation qu'elle vient passer. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment un plaisir de savoir qu'on peut être à la fois belle, intelligente, dynamique et surtout avoir du cœur. Du cœur. C'est bien de te recevoir. Bienvenue, Émeraude. Émeraude Nadia. J'ai vu Dexter à la salle de mes copains. Je ne comprenais pas. Quand Dexter arrive souvent, il part à la salle formative. Ouais, oui, mais il était là. Il met sa poésie là à la salle de mes copains. Quand j'entre, constate qu'il y a une beauté, maman, regarde les cuisses. Oh. Fille les sangs, nous montrons. Oh, non, 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 non. Tu peux faire ça, tu lèches. Oh là là. Tu es un petit ami. Joker. Joker, qu'est-ce que ça veut dire, Joker? Passons. Bonsoir, Émeraude Nadia. Bonsoir, Joyce. Oh. Alors, on a une question une ici. Une hein. Question. Oui, dites-moi. C'est comment? On est là. Ah. Oui, on a une miss. Elle est bien briefée, elle notre miss. Hein. Alors, tu as la première, c'est ça? J'ai la première question. Émeraude, il y a une tradition, et c'est quand j'ai la première question. Oui, là. Mais là, il peut y passer la bon, à partir de maintenant, il n'aura plus la première question. C'est beauté. Non, mais c'est quand même, tu es quand même une beauté divine, Émeraude. On a vraiment l'impression qu'on t'a, comme qu'à la grande histoire, on t'a dessiné, on t'a mis dans le moule. Bref, toute petite, être Miss, a-t-il toujours été ton rêve? Non, du tout. Du tout. En ah bon, fait, tu étais comment? Garçon manqué, quand j'étais petite. Moi, je traînais tout le temps avec mes grands frères. Mm. On faisait les 400 coups, des choses, des filles là. Mais tu aimais quand même la poupée, rassure-nous. Oui. Oh, quand même, hein. Bon, ça va. On a un doublon de voix ici, un retour au son s'il vous plaît, on ne comprend pas, on se réécoute à chaque fois qu'on parle. C'est un peu embêtant, excusez-nous, hein, parce que ça, même hier ça s'est fait, on a préféré ne rien dire, mais là on est obligé parce que ça nous perturbe un peu. Alors, tu as vu la deuxième question. Dans la vie, tu sais que chacun a ses objectifs. Moi, j'ai rêvé avec Christophe parce que je voulais me venger sur mes ex. Mon père m'a tellement manqué de respect, aujourd'hui j'ai le pouvoir sur elle.
Oh là donc, là. Pour toi, dis-nous un peu, c'est quoi Quelle motivation pour moi, c'est quoi être Miss? Miss, pour moi, surtout être Miss Cameroun France, c'est représenter le Cameroun en France. Et moi, j'en suis très fière. Pourquoi le concours Miss Cameroun aussi France? Pourquoi je me suis inscrite? Parce qu'il faut commencer par l'anglais. Voilà, ouais. Bon, ça va faire un peu cliché. Mais en fait, un jour comme ça, j'étais avec deux de mes grandes amies. On faisait un shooting parce que bon, j'aime prendre des photos et tout. Mais c'était vraiment un shooting pas professionnel et entre amis et tout. Et après, elles me disent, oui, pourquoi tu ne te lances pas dans le mannequinat, dans le concours de Miss Cameroun France et tout. Et je leur dis, moi ça ne m'intéresse pas particulièrement et tout, mais étant donné que moi je suis là dans les études, etc. Après, ils me disent, tiens, il faut avoir un projet pour se présenter à Miss Cameroun France. Et là, ils me disent, ça tombe super bien parce que depuis dans ma tête et tout, j'ai un projet qui mûrit. Et donc, c'était un projet d'éducation, mais ça n'avait pas encore pris forme et tout. Mais tu as dit que bon, je vais faire ça dans 5 ans, dans 10 ans et tout. Et après, ils me disent, non, franchement, vas-y. Et si tu suis, tu vas, on te soutient à fond et tout. Donc, je leur ai dit, ok, j'ai mon projet, on va le développer et tout. Et dès le lendemain, m'avait déjà inscrite. Après, je me suis retrouvée à l'aventure, comme ça là. Comme ça, jusqu'à présent, je suis seulement là, comme ça là. Excusez-moi, pour moi, quand je dis projet éducation, ça me wanda parce que d'abord, son sourire, c'est un doctorat, c'est formé, c'est un baccalauréat. Son charisme, c'est là, Là, si on explique à la mise. Une fille belle comme toi, tu vas encore à l'école chercher quoi? Les filles qui ne sont pas belles comme toi qui sont à l'école, tu vas les frustrer, c'est marrant. C'est pas possible. Alors, tu es étudiante en expertise, audit et contrôle. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça. Ça fait beaucoup. Hein. À l'ISCP. Supérieure de commerce et de Paris. Une école de commerce. Une école de commerce. C'est bien sûr en France. Comment allies-tu tes études et ta mission désormais de Miss? En fait, surtout au départ, c'était très, très, très compliqué. Parce que, bon, j'ai la chance cette année d'avoir cours de 8h à midi. Donc, ça va. L'après-midi. Ils sont gentils, hein? Ça va. Mais en fait, l'après-midi, j'en profitais pour faire un job d'étudiante. D'accord. Pour avoir quand même un peu d'argent. Ah, c'est pour comme ça, ah, oui. Mes diverses activités. D'accord. Donc, j'enchaînais. Le matin, j'étais en cours. L'après-midi, je faisais mon job. Et le soir, on était dans des conférences, des défilés. Donc, la nuit, j'étais KO. Il fallait que je trouve le temps d'étudier, etc. C'est ça. C'était très difficile au début. Mais avec le temps, je suis arrivée à un peu gérer. Gérer mon planning un peu chargé. Donc, ouais. Ça va. Et les parents dans tout ça. Les parents dans tout ça. Les parents dans tout ça. Qu'est-ce qu'ils pensent, les parents? En fait, les parents, qu'est-ce qu'ils pensent? Il faut savoir que mon père. Oui. Coucou, papa. Mon père, depuis que je suis toute petite, me dit toujours que. Enfin, à nous, ses enfants en général, que vraiment mettez l'accent sur l'école, sur l'éducation. Bon, il n'y a pas de souci. Quand mon père a su que je faisais Miss Cameroun France, je suis à fond avec toi et tout. C'est bien. Et quand on lui a alors dit que... Quand il a alors dit que j'ai gagné Miss Cameroun France, c'était le premier à m'appeler. Oui, ma fille. Il s'appelle comment, papa? Il s'appelle Avedi Laurent Charles. Voilà, fais-lui des coups. Et il était super content. Et surtout, même quand je suis venue là, quand je suis partie pour mon projet Education First dans mon village paternel à Dimpam, dans l'est, l'arrondissement de Messamena, il était très content. Jusqu'à il nous a même accompagné. Il était très fier. Et tout. Avec ma maman d'ailleurs. Coucou maman. Coucou, maman. Ah, oui, non, maman bien sûr. Maman Canicole. Bisous. C'est beau. Parlons du projet Education First que tu as initié. De quoi s'agit-il exactement? En fait, j'ai grandi avec cette idée que l'éducation est très importante. Et j'ai eu la chance de côtoyer deux systèmes éducatifs, dont le système éducatif camerounais et le système éducatif français. Et quand j'ai comparé, je me suis rendu compte qu'en France, on peut vraiment les élèves à réfléchir. Et pour moi, quand tu arrives à réfléchir et ne plus être dépendant des gourous de pensée, tu es libre. Donc je me suis dit, j'aimerais bien faire bénéficier de ça à des personnes au Cameroun. Donc je me suis dit vraiment, sur le long terme, j'aimerais vraiment agir en faveur de l'éducation. Mais je m'attendais parce que ça commence aussitôt. Donc le projet Education First, c'est un projet qui vise à contribuer au développement de l'éducation au Cameroun en général. Et sur le coup, durant mon mandat, il fallait déjà qu'on cible comment mettre en avant mon projet, mais vraiment sur le court terme. Donc nous avons donc choisi deux villages, dont le premier c'est le village de Dimpam à l'est, où nous avons offert 20 tables bancs, des manuels scolaires, des cahiers, on a aussi construit une mini bibliothèque, et le second c'est à Ezeka.
Ezeka, où nous étions hier d'ailleurs, où nous avons rénové les sanitaires. Parce que bon, je pense que c'est quand même aussi important pour les élèves d'avoir de bonnes conditions lorsqu'ils veulent faire leur bien mission. Sûr. Ça contribue aussi. On a les images là. Ah bah c'est super, là c'était à Gympam, avec la présidente du comité, Madeleine Otet. Oui, Madeleine Otet, la présidente du comité d'organisation. Voilà. Et nous étions aussi avec le... Effectivement, on était aussi avec le directeur de l'école publique de Gympam. Ouais. Là, c'est la mini-bibliothèque avec des livres et derrière, vous avez les tables bancs. Et on avait déjà distribué les cahiers à chaque élève qui puisse les avoir. Donc là, c'est moi. Elle nous fait le commentaire des photos. Là, c'est moi avec les tables bancs qu'on a. Mais la couronne, tu la portes partout. Bon, elle est magnifique. Mais merci. Bon, déjà, l'histoire de la couronne. La couronne était faite par un artisan camerounais. Attention. Il s'appelle Dieudonné Foko, que je salue aussi. Je veux saluer beaucoup de personnes aujourd'hui. En fait, ça représente aussi les régions du Cameroun. Vous pouvez voir des coris qui représentent le nord. Il y a aussi l'histoire de la chefferie. Il est de l'ouest et tout. Et en fait, je suis trop contente parce que c'est la première fois qu'on fait une couronne camerounaise. Ah oui, et c'est vrai. Je me vante avec ça, je dis c'est la cinquième édition, la cinquième Miss et tout. Donc ça. Je suis super contente de la porte. Super. Alors, la distance n'est-elle pas un frein à l'implémentation de tes projets, vu que tu n'as qu'un an de règne à l'issue de cette année-là? Les impacts et les missions sociales devraient être palpables normalement. C'est ça. En fait, est-ce que c'est un frein? Je dirais que j'ai eu la chance de travailler avec mon oncle du Gympam, qui est chef du village du Gympam. Et dès que je lui ai parlé de mon projet, il n'a pas hésité en fait à m'épauler, à mettre en place les dispositions et tout. Parce que bon, pour avoir les fonds, on a fait une campagne de crowdfunding. C'est une campagne qui consiste à enlever les fonds par rapport à mon projet. Et j'ai eu beaucoup de soutien des partenaires de Miss Cameroun France, aussi de mes amis, de mes proches en général qui ont financé le projet et des inconnus aussi qui ont été touchés par le projet. Et donc nous on avait l'argent en France mais il fallait des personnes qui coordonnent les activités ici au Cameroun. Donc c'est mon oncle du côté de Gympam qui nous a aidés. On est aussi passé par un ami d'une dame qu'on connaît bien, Corinne Tonier, que je salue aussi, qui est son ami. Qui a aidé à mettre tout ça en place. C'est ça, au niveau du Cameroun. En fait, c'est son ami qui travaille à la mairie des ECA qui a pu mettre ça en place, notamment la rénovation des sanitaires. Pour que, voilà, quand on vient, tout puisse être. Oui, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. C'est ça, on est venu faire que 3 semaines, donc voilà, il fallait que des. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors, Émeraude Nadia Abédier est notre invitée ce soir. Mais le thème de ce soir nous dira pas mal de choses avec notre Miss. Le thème de ce soir, c'est... Et le joker étant déjà utilisé. Comment gérer la relation quand on a un conjoint ou une conjointe insatiable sur le plan sexuel? C'est le thème de ce soir. Alors tout à l'heure, on aura l'avis de tout le monde. Et pour l'instant, on va faire entrer Dexter. Lui, il a l'avis des personnes qui ont répondu sur notre page Facebook. Vous voyez, on dit qu'il était au maquillage tout à l'heure. Il était ébloui par Émeraude et puis et voilà qu'il n'est pas là. Il a perdu son chemin, le Dexter. Alors, c'est compliqué, hein. On va aller sur la page. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Mais c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil du tout. C'est pas gentil. Alors, on va commencer avec Dorette Billet. C'est comment? On est là. On est plongé dans les téléphones, mais on est là. Oui, parce que chacun essaie de retrouver un commentaire. C'est ça, ouais. Voilà, donc Dorette Billet, c'est comment? On est là. Moi, je dirais que toute relation dépend du début. Si au début, vous l'avez accepté tel qu'il est, il faudra assumer sans se plaindre. Si par contre, vous n'êtes pas dans le même couloir, bête à vous séparer. Yeah. Salut à Joyce, j'adore ton look de ce soir. Joyce, c'est quelle façon de danser, ça? C'est quelle façon? Alors, Cécilia Device, c'est comment? On est là. Je pense qu'un homme insatiable et oisif. Faudrait dialoguer, l'occuper, lui faire pratiquer du sport d'équipe, lui faire affronter de nouveaux challenges, le pousser à fixer de nouveaux objectifs. Alors, le lit n'est pas le ring. Un homme insatiable. Excusez-moi, ne comble pas forcément une femme. C'est ça.
Ah, nos téléspectateurs sont trop choux. Ils sont bien, hein, oh là là, ils répondent bien en plus. Hein. Oh là là, c'est ça qui me plaît. Ils sont vraiment. Alors, Verratti et Nibo, c'est comment? On est là. Il dit, c'est trop difficile de vivre pareille relation. Beaucoup diront de chercher une seconde, mais oubliant que la femme aussi peut être aussi insatiable. On s'assoit et on établit un planning. C'est bien, Verratti. C'est tout. Anissé est là. C'est comment? On est là. En fait, cette personne pourra seulement être satisfaite qu'avec une personne pareille qu'elle. Dans le cas d'un homme, il serait judicieux de chercher une seconde partenaire. Néanmoins, que sa femme soit d'avis. Mais pour une femme, c'est mieux d'avoir un gigolo. Vraiment, il y a des conseils dans ces messages. Je ne comprends pas. C'est l'expérience. C'est le vécu. Le vécu, hein. D'accord. Je suppose. Guido soit un très bon commentaire. Voilà, alors. C'est comment? On est là. Quant à moi, au mariage, il est dit que l'on partage le mal et le bien, les bons moments et les mauvais. J'accepte avec le temps et on aura des solutions à ça. Pas mal, hein? Simplement, ouais. Jeff. Dadji, les tétas, la teta, c'est comment? On est là, Jeff. Si c'est l'homme, tu lui permets de venir de temps en temps avec ses maîtresses à la maison quand la femme est fatiguée. C'est pas possible, ils sont vilains. Gilles Constantin Feukakem, c'est comment? On est là. C'est pas facile, mais le mieux, c'est la séparation pour éviter d'être méprisé par la suite. Habiba Adamou, il faut le quitter et prendre un conjoint stable. Le temps passe vite. Donc, l'autre n'était pas stable. Et enfin, Arnaud Steve Sejip, le laisser libre de faire tous ses choix sexuels jusqu'à ce qu'il se calme vu qu'il est malade. Waouh. Donc quand on est insatiable, c'est qu'on est malade. C'est pour les gens. Est-ce que c'est un infomate? Certain. Fallon. Oui. Elle a dit que mieux, elle ne dit rien. Elle a dit ça. Hein? Oui. Mieux, je ne dis rien. Ouais. Raoul, t'as dit Dieu, dit que. On se laisse aller. Momo Lemi Loé dit qu'on tue un tour. Maintenant, il y a Henriette, ma copine. C'est comment? On est là. L'emploi du temps pour moi est la solution. On établit un emploi planning. Du temps qu'on respecte. On ne fait l'amour que c'est le jour là. Non, que le jour là. C'est ça qu'elle veut dire. Mais pourquoi elle fait ça? Et on fait franchement pour que l'envie ne reprenne pas avant le jour prochain. C'est pas possible. On fait un coucou à Sardin et un cam qui dit je suis encore enfant. Tout simplement. Il est encore? Je suis encore enfant. Bouge tes oreilles. Et voilà. Reste Dada dit il faut laisser les gens dormir. Alors peut-être que notre cher Dexter est allé tourner sa série parce qu'il nous annonce qu'il y a. Il va lancer une série. Mais il attend pendant l'heure de l'émission. Là je comprends pas. On va voir un peu la fichette. De la série. Oui, mais parce que je comprends pas en même temps. Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai, il paraît. Monsieur Buzz. C'est vrai, il paraît. Est-ce qu'on a le visuel de si, Monsieur normalement, Buzz. Normalement. Normalement, mais bon, voilà, ça traîne. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est, avant de revenir à l'actualité de Dexter qui n'est pas en studio avec nous, on va d'abord retrouver les selfies. Donc, les personnes nous envoient des selfies et on les partage. Ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir à ceux qui regardent et naturellement à ceux qui les envoient. Mouler les voleries de Joe, c'est comment ça rigole sur le plateau avec à la gang et des invités hyper élégants. On choisit les thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis est là, fait le Dexter, puis à Pali et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipe-pop de Lizette, y'a le flow. Et la diva Joyce qui court dans le show. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Voilà donc ce qu'il allait faire au lieu d'être là. Hein. C'est ça. Il allait faire la saison 1. Il fantasme dans son cerveau là, c'était. Voilà, donc. Bonsoir Tommy. Non. Bonsoir Tommy. Bonsoir. Là bonsoir à tout le monde et bonsoir. Je te présente Miss Cameroun France, Tommy. Oh, elle est très jolie. Même, voilà. Là. Et là, c'est Tommy. Mais bon, tu peux être la quatrième, la troisième, c'est ça? Troisième. La quatrième? Non, on peut te placer à cinquième femme. Cinquième. Non, mais ça va, Tommy, hein? L'homme de la dimension. Non, mais où se croit-on? Franchement.
Alors, le thème de ce soir. Oui, le thème. Très complexe. Comment gérer la relation quand on a un conjoint insatiable sur le plan sexuel. Je tiens à préciser qu'il y a également des conjointes. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Il y a des conjointes, hein. Oui, c'est ça. On dit la même chose. Tu entres du boulot 18h. Non, ne commence pas les commentaires. C'est un sujet que tu as particulièrement. Et quand je faisais le choix de ce sujet, j'avais pas idée que ça devait être très complexe sur le terrain. C'est complexe. Très complexe. C'est très, très difficile. Parce que j'avais pas idée, parce qu'on était sur le terrain pour qu'on puisse trouver le point d'intervenance. Tout le monde fuit. Quelle question comme ça? Après, il faut expliquer qu'on ne parle pas forcément de vous. On demande votre avis. Non, ils peuvent conseiller quelqu'un qui a des problèmes. C'est de ça qu'on parlait. On ne parle pas forcément de vous. Les gars disent que, t'es gay, on n'est pas là. Et surtout, les femmes, alors... Allons-y, Tommy, parce que nous, on attend. On veut voir ce que tu Vox Pop, nous aurons notre Vox Pop et Dr Phone sera là et nous aurons aussi notre sondage. Donc, on va enchaîner avec le Vox Pop. Le Vox Pop. Avoir affaire à une femme qui vraiment est insatiable sur le plan sexuel, ce n'est pas facile. Mais en réalité, je devais prendre des mesures pour être à la hauteur. Parce qu'en fait, si je ne suis pas à la hauteur, elle doit chercher ailleurs. Donc, je ferai des efforts pour combler ses envies. Véritablement, pour gérer ce genre de situation, mon frère, tu manges ta cola et tu bois tes deux petits guinées tous les soirs. Hein. Et tu t'accordes à ne pas avoir les amis au travail. Le travail sort, c'est la maison. Tu as le travail à la maison. Donc, tu gères deux boulots. Le boulot qui rapporte du fric et le boulot pour satisfaire ta femme. Nous, you tell Anna que ce n'est pas tout le temps que tu dois faire l'amour avec elle. Si elle ne veut pas comprendre, tu dois la laisser. You tell her the truth that you cannot be making love with her all the time. Vous pouvez arranger ça à deux. Des choses comme ça, là, je ne peux pas appeler ta famille dedans. Pour une autre personne, peut-être qu'elle va voir le médecin ou bien un spécialiste, mais si c'est pour moi, je dois parler à ma femme que ce n'est pas tous les jours. Il va seulement aller chercher dehors parce que je ne peux pas mourir pour lui. Parce que si elle meurt à mon deuil, il vient avec une autre. Donc, pour moi, il va seulement aller dehors. Je prends ma quantité, il part avec le reste. Le dialogue ne doit rien changer parce que c'est dans sa tête. Il a déjà mis ça dans sa tête. Et dès que la tête commande, le bas exécute. Une seconde femme, oui. Si sa maman l'a accouché pour moi, une seconde femme, oui. Peut-être même avec une seconde femme, je préfère même elle aussi, elle vient voir ce que je vis dedans. Qu'elle ne reste pas seulement dehors et puis elle croit que je ne fais rien, qu'elle aussi elle vient. Épouser une seconde femme n'est pas la solution à ce problème parce que quand un homme aime le sexe, ça veut dire que continuellement, sur toutes ces femmes-là, il va toujours chercher ce sexe-là. Donc, la femme à la maison doit regarder le problème, quelque part il y a un problème. Soit elle ne satisfait pas bien le mari, il faut qu'elle revoie sa propre situation. Si elle-même répond à ses désirs. Dans le cas où c'est peut-être une maladie, il faut donc rencontrer un psychologue, un psychiatre pour voir le problème, pour gérer le problème, c'est ce que je pense. Ce genre de personnes, il n'y a pas de médicament pour eux. Je ne sais pas encore jusqu'où la science est arrivée à ce niveau, mais je crois que pour eux là, il n'y a rien à faire. Puisque le mariage, c'est censé durer toute la vie. Donc, sachant que l'homme n'est pas éternel, il faut s'économiser. Donc, c'est argument contre argument, quoi. Donc, on fait valoir ses arguments à son conjoint, à sa conjointe. Et on essaie de s'arranger. Il y a des activités, il y a des sorties en couple, il y a des voyages. Donc, on va trouver toujours des moyens d'essayer de compenser ça pour occuper son esprit à autre chose. Des objectifs de vie en commun sur lesquels on peut se décider de travailler pour essayer de faire avancer notre couple et de faire en sorte que son esprit soit occupé à travailler plutôt qu'à combler ses plaisirs charnels. Donc, voilà. C'est bien dit, hein. Mais ils ont des réponses hein, quand même. Hein. Il y a des réponses. Mais pour avoir ces réponses... C'était pas facile, quoi. C'était pas facile. Oui, parce que tout le monde se recroqueville sur sa vie. Oui. Alors qu'il s'agit de conseiller même ceux qui sont dans la situation. Il y a une qui nous a fait même une leçon de droit à l'image. Oh, est-ce qu'on sera diffusé mon image et tout ça? Oh là là! Elle a dit non, 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 j'ai pas dit qu'elle n'a pas raison. J'ai dit juste que. Enfin. Ça va, tu as. Il veut juste dire que d'autres se justifiaient par là. On ne pas répondre à la question. C'est une question quand même. Un peu, oui. Oui, parce que beaucoup de gens pensent plus à ce que les autres penseront de voilà. Voilà, exactement. Ils oublient qu'il faut sauver des personnes qui sont mal en ce moment. Parce que les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens souffrent. C'est ça. Ah, je connais une voisine qui souffre. Tu connais une voisine qui souffre et tu dis ça comme ça? Non, c'est pas moi. Bon, on fait un petit tour, Fanny. Ouais.
Ça, c'était en off, on dit pas ça. Non, mais je pense que y a chaque problème en fait a une cause. Il faut savoir en fait, est-ce que ce n'est pas une pathologie, est-ce que c'est pas donc après il faut faire appel à un spécialiste parce que je pense que ça fait partir des problèmes. Autant certains peuvent avoir des pannes sexuelles, d'autres en fait ont le contraire. Voilà, donc je pense qu'il faut savoir en fait quelle est l'origine de ce qui pourrait être une maladie. Après, essayer de trouver une solution. Une solution. Je ne vois pas. Non, mais c'est pas, on n'est pas du côté de celui qui est insatiable. Hein. Dans la question, on est du côté de celui qui subit. Hein. Oui, c'est-à-dire la question, c'est comment on gère quand on est de l'autre, quand on est, c'est pas nous la personne, nous on subit. Oui, c'est pour ça que je dis, donc il faut essayer de comprendre d'où ça part, parce que c'est comme ça seulement. Qui est malade, d'après, quand tu parles de maladie, que peut-être ça peut être ça, c'est celui qui est insatiable ou c'est celui qui subit? Celui qui est insatiable. C'est celui qui est insatiable. On est d'accord, ça veut dire que la personne qui est victime doit l'amener à aller à l'hôpital? Oui, oui, c'est ça. C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ce que je veux dire. D'accord. C'était pas compréhensible, non? Non, c'est que quand tu parlais, c'était comme si tu parlais plus à la personne insatiable. Directement à elle. Il faut aller à l'hôpital. Oui, je veux dire, si c'est mon conjoint, là, je me mets dans la peau de la victime. Ah oui, ce qui n'est pas beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. À faire voilà. Donc, si jamais j'ai un conjoint qui est insatiable sur le plan sexuel, tu vas aller à l'hôpital d'abord. Il faut qu'on essaye de comprendre. C'est ça, d'où ça part. Bah oui, écoutez. Voilà. Voilà, bon, c'est plus simple que c'est simple. Il faut sauver des vies. Joe. Sauvons des vies vivantes. Tu as une conjointe insatiable. Bon, en fait, moi, je m'explique ça naturellement en début de relation. C'est-à-dire que si tu as une copine que tu as désirée longtemps, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, oui. Et quand ça arrive et que vous avez la possibilité de faire des choses, oui. tu aimes trop rester sous ses jupons. Donc, voilà. Maintenant, dans la relation, mais... donc. Oui, mais si je l'accompagne d'insatiable, ça veut dire qu'on a dépassé le cap normal. Pour moi, en début de relation, ça s'explique. Bon, maintenant, au cœur de la relation, il peut y avoir autre chose. Il peut y avoir des choses qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que. Si on me permet que tu utilises l'expression, hein. Peut-être, je sais pas, peut-être le garçon veut plutôt que ce soit le maraîcher guéri et tout ça, et la fille ne connaît pas. Il veut. Mais pour que ce soit ça, de la forme. Voilà, les qualités, les quantités. C'est pour ça que j'ai parlé de quantité, de qualité. C'est la manière de faire. Donc, voilà. En fait, toi, tu veux aller plutôt dans. Tu veux aider les personnes, les conjoints, à voir si ce n'est pas ça le problème. Oui, voilà, il faut pouvoir dialoguer. Comment vous le faites? Voilà, oui. Donc, on a le dialogue. C'est qui peut créer l'insatiabilité. Oui. Oui, c'est ce que tu dis, que des fois tu es satisfait parce que tu n'as pas assouvi des... C'est vrai, oui, c'est vrai. Tu n'explores pas ça, tu n'explores pas et des fois le garçon a de la peine à dire à la fille... Voilà, d'accord. Donc la solution serait d'en parler. De parler, c'est-à-dire que le garçon... Il faut en parler, ou alors peut-être le... Donc lui poser des questions, voilà, je vois que tu es insatiable depuis un mois, je ne comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu préfères et qu'on ne fait pas, sois vraiment clair. Ça c'est une chose, c'est un aspect, il y a un autre aspect qui peut être aussi. Physiologique, c'est-à-dire que c'est on ingurgite et on boit tellement de choses, les boissons les boissons là, un dernier paramètre, c'est que des fois ça sert aussi de rempart. Des fois tu es malheureux, des fois tu as des problèmes que tu as de la peine à affronter. Comme certains se replient dans la drogue ou la fête. Oui, il y a d'autres qui se replient là. Ils sont très stressés, ils décident que. Il n'y a que le sexe pour qu'ils soient là, ça devient une drogue. Oui, ça devient toi. Donc c'est un info. C'est un info mal. Donc on consulte. On consulte. Ouais, on consulte. Cabrel. Bon, en fait, je vais vous dire une vérité. C'est une femme qui a alors convoqué un pasteur pour venir prier sur son mari. Soit disant son mari est devenu trop haut, il marche trop. Quand le pasteur priait sur le mari, que le Seigneur implore à cet homme l'esprit de chasteté. Il faut faire ce qu'il devient un homme droit. Que même qu'il fait l'amour, ne brutalise plus sa femme. Il n'aimait plus la femme position là. Vraiment, au nom de Jésus, la femme n'est pas. C'est vrai ça. Prie ailleurs. L'amour là, pardon, laisse-y. Laisse. Là-bas, il peut. Ah, d'accord, de prier sur. Pour l'amour ne calcule pas. Quand ta femme t'aime, vous pouvez faire l'amour de lundi à vendredi. Non, mais si on se plaint, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est plus normal. C'est un problème. C'est un problème. Non, du coup, attention aux mots, attention aux mots. Parce que je suis là. Tant que vous, ça ne donne pas, s'il n'y a pas compatibilité,
pourrez même comment vous arrivez jusqu'au mariage quand vous n'êtes pas encore. Voilà, bon, ouais. Ça peut arriver. Hein. Non, comment que tu ça peut arriver, parce que j'étais sûr qu'il allait être un élément déclencheur. Il peut avoir des choses. Pas sachez, mon frère, il faut réfléchir sur toi. On demande qu'est-ce qu'on fait. On t'a pas demandé de juger. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu juges. Tu as une conjointe qui est insatiable sur le plan sexuel. Tu fais quoi? Ta réaction. C'est comme ça qu'on a demandé. Donc, depuis là. Excusez-moi, il ne peut pas avoir une conjointe. Non, non, on te dit d'aider ceux qui sont dans la situation. Tu fais comment? Non, dis-lui d'aider ceux qui sont dans la situation. Non, pourquoi aider alors que lui-même n'est pas à voir ça? Si tu as ta petite amie et qu'elle n'arrive pas à te satisfaire, mon frère. On a proposé 1 milliard à quelqu'un, il n'a plus jamais fait la monnaie, ça veut dire qu'il lui les 1 milliard. Mieux me sépare avec elle. Ah voilà, tu as dit ton, c'est ton avis, voilà ton avis. Quand tu n'es pas satisfait sexuellement, mais au lieu du travail, tu es énervé. Non, on parle pas, c'est que la satisfaction elle-même, elle est débordante. Tu n'es pas en manque, tu as ça. Quand on passe quelqu'un qui est une machine à sexe, on va dire ça. C'est une machine en fait. On dit que c'est l'autre qui est une machine à sexe, pas toi. Joyce, passez Joker. Joker. Depuis, il ne répondait pas à la question. Là, il a eu tout. Miss Cameroun de France, Émeraude Nadia Abédier. Émeraude, tu as le droit de dire que tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Voilà. Après ça. Parce que quand on te regarde, franchement. Tu es tellement innocent. Franchement, vraiment tu as le innocent. Droit de dire je ne sais pas de quoi il s'agit. Quand je serai grande, je répondrai. Voilà. Tout d'abord, je tenais à dire que mes parents me regardent. Mais nous aussi, hein, t'en fais pas. Hein. On a les parents. Nous aussi, hein. Moi, ma fille me regarde. Alors, voilà, tu as vu, mes garçons me regardent. Vous avez dit, je réponds pour quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a dit. La base de toute relation, c'est la discussion, la conversation. Ah, donc, oui. Si la personne se sent mal à l'aise par rapport au fait que le partenaire soit insatiable, oui. Je pense que le mieux, c'est de discuter. Et si après, on n'arrivait pas à trouver de compromis, pour moi, la relation, c'est pas la prison, c'est pas la guerre. Voilà. Si vraiment c'est très grave. Vrai, je disais, quand l'autre est trop satisfait, c'est-à-dire que l'autre n'est pas satisfait, tu réclames encore. Et du coup, avec le fâché ailleurs, il faut comprendre. Et tu la mets dehors. Tu es au sujet, Kabel. Il a donné la vie son avis à lui, dans le cas où c'est lui la victime. C'est bien ça. Parce que l'autre est satisfait, non? Hein? En fait, elle nous tient pour satisfaire. Non, il faut laisser. Bon. D'accord, on a compris. Le sondage. Alors, ça nous permet d'aller retrouver quelqu'un qui va nous édifier. D'abord, le sondage. C'est vrai qu'on n'a pas pris le sondage. Oui, qu'est-ce qu'il dit le sondage? Bon, le sondage, l'appui des spécialistes, 30%. Il y a certains qui ont évoqué qu'on peut aller rencontrer un spécialiste, un médecin. 30%. D'accord. Ou un sexologue, si possible. Ou un sexologue. Ouais, on ouais. A ici. Oui, on en a. Et c'est vrai qu'ils sont très peu. Oui, ils sont là. Bon, on a aussi le dialogue, 40%. Oui. Et une partie de notre échantillon parle de l'appui aux activités, 30%. On s'est dit que peut-être on peut mettre la personne dans certaines autres activités pour que son esprit. Pour occuper son esprit. Pour occuper son esprit. Si on reste le week-end comme ça là. Mamie, elle reste comme ça, elle descend là. C'est pas... Donc il faut être occupé. Les travaux champêtres, ça aide. Voilà, ça aide. Un projet, parce que si on met un projet, ça t'occupe l'esprit. À un moment là, ça peut baisser. Ça peut baisser cette libido là. D'accord. Mais merci Tommy. On enchaîne avec Dr. Fern. Dr. Fern, notre conseiller matrimonial. Voilà, elle revient sur la question. Elle va nous dire comment est-ce qu'on peut faire. Quand les gens se marient avec la passion, avec la romance, la sexualité est presque égale. C'est-à-dire l'homme veut, la femme veut aussi, matin, midi, soir. Les deux sont satisfaits. Avec le temps, la femme accouche les enfants. La maternité change la sexualité de la femme. Les mamelons font mal et vraiment, elle est fatiguée. À ce moment, la sexualité de l'homme est encore en haut là. Parfois, vers les 40 ans, la femme veut, mais l'homme, lui, il est fatigué, peut-être le travail, il n'atteint pas les objectifs au travail, il est stressé, ça le fatigue, du coup, il ne veut pas le sexe, ça arrive. Donc, quand les conjoints ont des problèmes de sexualité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au même niveau, il faut dialoguer, il faut parler dans leur chambre. Quand ils sont nus à deux, on a ce problème. Je n'arrive plus à avoir le désir pour le sexe. Parce que ça commence par le désir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être que le mari donne un coup de main à la femme pour s'occuper des enfants, pour que madame se repose
le jour pour qu'elle ait assez d'énergie la nuit pour le match, n'est-ce pas? S'ils ne peuvent pas trouver une solution, ils peuvent aller voir le médecin. Parfois, il y a une maladie, le diabète. Peut-être c'est ça qui donne l'importance à l'homme. Peut-être la femme a une infection fongique, bactérienne. Elle a mal quand elle fait les rapports. Peut-être même que les préliminaires, l'homme ne sait pas faire les préliminaires. Lors du counseling, la femme peut ressortir ça et on va donner les conseils à l'homme. Parfois même, on leur donne des conseils comment ne pas s'engager dans le sexe tout le temps, mais peut-être le coitus interfémoris, si la femme ne veut pas la pénétration pour satisfaire l'homme, le coitus interfémoris, il y a pas mal de choses qu'on peut leur conseiller à faire pour que l'homme ou la femme ne sorte pas pour aller chercher la satisfaction dehors. Vous savez, avant le mariage, normalement, les deux doivent parler. Il y a les femmes qui cherchent le mariage pour les enfants, sans savoir que l'homme paie la dot parce qu'il veut le sexe, matin, midi, soir. Donc la jeune fille, si tu vas épouser un garçon et ne pas lui donner au début du mariage le sexe 3-4 fois par jour, vraiment il ne faut pas l'épouser. Parce qu'il a payé la dot pour ça. Il veut sa femme à lui. Quand il est jeune, 24 ans, 25 ans, 30 ans, vraiment le sexe, pour lui, c'est ça qui l'occupe. Donc, il faut comprendre ça. Avec le temps, on peut négocier, on peut dialoguer, des choses comme ça. La maladie vient, autre, ça change. Mais vraiment, au début du mariage, il faut connaître ça. La rencontre avec un spécialiste va aider. Parce que souvent, quand les couples ne parlent pas, chacun est dans son coin, chacun se fait des idées, ça n'aide pas le couple. Mais quand ils rencontrent un spécialiste, lors de la thérapie du couple, ils vont se comprendre et ils vont résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Le débat continue ici. D'avoir vérifié, c'est parce qu'elle désire la fille là. C'est le matin, il me dit sur chaque temps. Ce n'est pas vrai, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai. Ce qui est amusant, c'est de vous voir aussi après quand vous êtes fatigué. Je ne fais pas l'amour quand sa femme se nourrit mal. On a dit occupez-vous. Là, tu manges bien. Occupez-vous aussi. Quand vous travaillez tout le temps, vous n'avez même pas le temps de penser à ça. Tu ne peux pas avoir le temps. C'est quand vous êtes occupé. C'est les chômeurs qui font ça. Merci, merci. Le débat est clos sur ce plateau. Le débat est clos. Continuez dans les salons. Merci Tommy. Il y aura un autre sujet demain. Et c'est le jour de l'amour. J'ai particulièrement aimé ce sujet. Ah oui. Mais c'est un sujet important. Je pense voilà. Que c'est un sujet demain, un important. Autre sujet, hein, c'est la fête des amoureux. Papa qui a touché sa pension retraite après 30 ans de mariage. Son ami est rentré des États-Unis, qu'à Londres, nous amuser, allé s'amuser. Il a pris une petite fille de 20 ans qui a tout fait. Fait ce qu'on fait là, fait le fumer. Mais c'est lui, bien. Fumer. Non, le truc est rentré, la monsieur a commencé à dire 30 ans de Dupéry. Non, ça c'est un sketch. Oui, c'était vrai. S'il vous plaît, on va regarder les yeux de Fanny. On entend dans le noir. Émeraude, regarde les yeux de Fanny. Rien que ça, les yeux de Fanny. Parce que Fanny, elle va nous transporter ailleurs que vers le sexe. On va changer de sexe. On change tout, tout de suite. On change, s'il vous plaît. On a beaucoup ri. Merci, c'est bon. Maintenant, on va être sérieux, s'il vous plaît. Et voilà, on est de retour. Enfin, oui, on, est on de se retour, remet de cette excitation qu'on ne comprend pas là dans je ce studio. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et on retrouve les yeux de Panique. On va essayer de plier les mouchoirs parce que c'est très important. Beaucoup ne jurent que au nom de la Saint-Valentin. Tout le monde ne parle que de la Saint-Valentin. Mais dites-vous bien que ce serait bien de pouvoir faire les choses correctement tous les jours ou autant de fois que possible parce que le 14 ne dure que 24 heures. 24 avec le concours de la réalisation, je vous invite à savoir plier des mouchoirs en plus de table. C'est très important pour pouvoir décorer de façon différente en fait nos tables. Nos tables, arrêtez ben de oui. balancer des mouchoirs comme ça. Si, voilà. Ben oui, d'accord. Hein, belles idées. Hein. Merci Pani et à tes yeux aussi. Mes yeux vous disent merci. Et pendant que tes yeux nous disent merci, ben on va retrouver notre cher Joe avec son humeur. Joe il a toujours une humeur. On ne sait pas si elle est bonne ou mauvaise. Est-ce qu'on parlera de mais bon, qu'est-ce qu'on va on va parler de quoi dans ton humeur? D'abord le jingle. Bon, d'abord le jingle. Il aime les jingles lui. On est jeudi.
Et voilà Joe. Voilà donc l'humeur de Joe. Bon. Demain c'est la Saint-Valentin, on me demande de réagir au sujet. Le sujet qui est comment est-ce qu'on gère une relation quand on a un conjoint qui est complètement insatiable. Donc la base c'est déjà d'apprendre le lexique, hein, un peu comme Cabrel Nandif, c'est-à-dire que le PCM, le petit coup matinal, ou alors deux bitacola, une guigui, ou alors le GCN, c'est-à-dire le gros coup nocturne. Et puis après avoir fait ça, oui, bah moi je ne m'y connais pas, donc c'est j'ai d'abord appris le lexique. Oui, j'apprends le lexique. Je ne m'y connais pas, donc c'est une chronique, donc je ne suis pas seulement censé parler de moi, je suis censé envisager tous les cas de figure. Non, on ne te demande pas d'expliquer. Tous les cas de figure. Il y a le lexique de Cabrel, il y a la timidité de Émeraude, il y a la mienne aussi. Tu dois envisager absolument tout. Mais il faut savoir avoir une conjointe qui est insatiable sur le plan sexuel. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Absolument pas, ça ne peut pas. C'est comme trouver 1 million de francs dans un sac dans la rue ou alors gagner au loto. C'est des choses que j'observe seulement. Ça n'arrive qu'aux autres. Parce que moi, si ça m'arrive, je vais sauter des joies. Ah, d'accord. Qui me fait un amour avec moi et faire l'amour tout le temps. Bon, ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres. D'accord. Mais puisque je dois envisager d'autres cas de figure que le mien, je dois entrer dans les chaussures des autres. Alors, je ne suis ni sexologue, ni marabout, ni prêtre, ni imam, mais je vous dis des nuits de prière, la délivrance et surtout apprenez le Kama Sutra. Et il faut apprendre le Kama Sutra. On ne sait jamais. Ça peut être de qualité, ça peut être de quantité, ça peut aider. Et bon, sérieux, des fois, la sexualité, c'est un peu comme l'alcool. Et comme je disais, c'est un peu comme l'alcool et le reste. C'est des fois un exutoire. Des fois, il y a un trauma derrière que tu trimbales même depuis l'enfance. L'enfance, et tu ne t'en vrai. Rends pas du tout compte. Oui. Bon, quand tu as un conjoint, c'est aussi ça ton rôle, hein, fouiller dans ta vie et trouver le moyen de t'appartenir. Et quand même, et ça, je croyais que j'avais trouvé l'idée du siècle avant que quelqu'un n'en parle, quand même, des fois, quand tu te tournes les pouces et que tu n'as rien à foutre, oui, tu peux toujours avoir recours au sexe ou à la télé, je ne sais jamais. Donc, occuper ces journées aussi, ça peut marcher pas mal. Hein. Oui. Donc, si j'ai donné 2-3 comme ça, 2-3 trucs, 2-3 indices, c'est que ça peut aider les gens. Pourquoi pas? Why not? Cherchez à vous aider et à entraider les autres. Ouais. Moi, je ne m'arrive pas souvent, donc ça ne m'arrive même jamais. Jamais. D'accord. Okay. Merci à ton humeur, Joe. Voilà. Merci. Elle était bonne, je pense. Oui, très bonne. Super. Alors, nous sommes en compagnie d'Émeraude Nadia Abédier, Miss Cameroun France 2019. On va se quitter dans un petit instant, mais on a quelques questions. On a une interview qui s'appelle Miss Cameroun France, ça passe? Ou ça casse. Voilà. France, ça passe ou ça casse? On te pose une question, tu dis si ça passe ou ça casse. Très bien. Avec naturellement ta couronne, c'est ce que ça veut dire. Hein. Okay. Miss Cameroun France habillée en mini jupe mi-cuisse, ça passe ou ça casse? Ça casse. Aïe, mi-cuisse, ça passe pas. Bon, d'accord. Miss Cameroun France, en déplacement sans autorisation du comité, ça passe ou ça casse? Ça casse. Ah, d'accord. Crac, crac. Dans le cadre de Miss Cameroun France, oui. Mais dans le cadre de Émeraude Nadia, non. Ah, dès que tu seras redevenue Émeraude? Non, en fait, à partir du moment où je porte l'écharpe et la couronne, je suis sous la responsabilité du comité. Ah, exactement. D'accord, donc tu ne peux pas dire que je vais envoyer voir papa au Cameroun sans... Pas avec mon écharpe, pas avec Tu enlèves d'abord. Exactement. D'accord. Miss Cameroun France, mariée, ça passe ou ça casse? Oula, ça casse. Ça casse, d'accord. Miss Cameroun France, amoureuse, c'est demain l'amour, hein. Ça passe ou ça casse? C'est demain l'amour, le 14 février, oui. À Saint-Valentin. Oui. Donc, je serai en conférence. Ça passe ou ça casse, amoureuse? Amoureuse, Joker. Vous savez ce qui est bien, c'est que quand on dit joker, on connaît déjà la réponse. Voilà, merci. Tu peux voir quoi, quand on n'est pas en couple, qu'à en groupe seulement. Miss Cameroun France 2019 était notre invitée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec ton accord, est-ce que je pourrais juste te dire deux mots? Demain, je tenais d'abord à remercier tous les partenaires de Miss Cameroun France et tous les donateurs de mon projet Education First. Et je tenais à dire que donc demain pour la Saint-Valentin, je serai en conférence à l'Institut Tattoo Attitude situé à Bonapriso, à côté de l'immeuble Bonadouma. Bon, j'hésite parce que je ne suis pas de Douala. Bonadouma, c'est la dernière Bonapriso. Exactement. C'est d'accord. Ça. Mais merci, Émeraude, bien des choses. Merci beaucoup. Voilà, bisous à tous ceux qui nous ont regardés depuis tout à l'heure. On va se retrouver demain. L'amour. Donc demain, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut être en rouge, je pense. En rouge? Demain, on est rouge. Même les vieilles mecs, comment vous faites là, c'est malade. L'amour n'a pas d'âge. Est-ce que ça a de l'âge, l'amour? On se met
Laissez les pères là tranquilles, ils sont les réfugiés. On fait un coucou à Dr Claudel Noubissi qui se rétablit. Hein? Bien les choses. Je suis beau là, maman, les cadeaux vont me tuer demain. Oh! Voilà!